Bonjour à tous, ce matin, hommage à Antoine Griezmann, élu meilleur joueur de la Ligue à 2015-2016. Le Français étonnamment discret en une des journaux madrilènes qui salue plutôt la rafle de l'Atlético, qui remporte également les prix de meilleur gardien, meilleur défenseur et meilleur entraîneur. Pourtant, l'exploit est de taille puisque Griezmann est le premier joueur à détrôner Messi et Ronaldo, qui s'étaient partagé tous les titres de meilleur joueur depuis la création de ces trophées en 2009. Mais si les trophées de la Liga passent aussi inaperçus, c'est parce que France Football a dévoilé la liste des 30 nommés pour le prochain Ballon d'Or. Et déjà en Catalogne, on s'enflamme pour le duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avec un objectif, discréditer le Portugais. Sport voit en CR7 le favori, mais insiste pour dire que Messi est le meilleur. Quant à Mundo Deportivo, il oublie la victoire de Ronaldo en Ligue des Champions et à l'Euro pour stigmatiser ses stats faméliques depuis le début de saison, lui qui n'a marqué que 4 buts contre 14 pour Messi. En France, l'équipe fait sa une sur une autre star de la Liga, Neymar. Le journal raconte comment le Brésilien a failli rejoindre le PSG cet été. Il est question d'une rencontre avec son père à Sao Paulo, puis à Ibiza et à Paris. Le club de la capitale était disposé à payer sa clause libératoire de 192 millions d'euros, mais finalement les exigences de son père auront eu raison de l'intérêt francilien. Un salaire de 25 millions d'euros par an contre 15 proposés par le PSG, mais aussi la mise à disposition d'un jet privé et une chaîne d'hôtels à son nom. Le Paris Saint-Germain ne s'est donc pas offert Neymar et doit aujourd'hui s'attacher à retenir ses stars. Il y a quelques jours, la presse italienne évoquait un intérêt de la Juventus pour Thiago Silva, qui n'a toujours pas prolongé son contrat. Aujourd'hui, Tuttosport pense que la vieille dame pourrait tenter sa chance avec Marco Verratti, qui apparaît en froid avec Unai Emery. Le champion d'Italie compte se renforcer au milieu de terrain dès cet hiver et Verratti apparaît comme la solution idéale. Mais nul doute que le PSG se défendra bec et ongle sur ce dossier. En Angleterre, la crise à Manchester United fait toujours autant parler, et aujourd'hui, le cas Wayne Rooney est de retour à la une. Selon le Sun, José Mourinho est prêt à se séparer de l'attaquant anglais après 12 ans, 532 matchs et 246 buts pour les Red Devils. Et on termine avec le flou entourant l'avenir de Arsène Wenger. Le Français est en fin de contrat avec Arsenal en juin prochain et il est annoncé comme le grand favori pour reprendre la sélection anglaise. Mais comme le rapporte Metro, les Gunners souhaiteraient le voir rester et donc prolonger son contrat avec le club londonien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.